Qu'est-ce que je suis moche sans barbe, putain! Bah, ça met en valeur mes rides. Oh, je suis infâme. Mais il faut se raser de temps en temps. Alors, bonne nouvelle, bonne nouvelle. Je commence, je vais pas faire que râler dans la vie. Mon compte n'est plus Shadowban. Ça y est, j'ai fait. Il y a eu l'appel, ils m'ont dit non. Et j'ai refait appel une seconde après parce que le bouton était dégrisé. Et là, c'était bon. Et là, c'était bon. Du coup, je suis plus Shadowban. Du coup, pour tester, j'ai posté ce petit reel là pour voir. Et je vous confirme que je suis plus Shadowban. Regardez-moi ces stats là. Regardez-moi là. 78% de blancs, c'est 78% de gens qui ne me suivent pas, qui ont vu ce reels. Ça veut dire qu'il a été largement recommandé dans l'algorithme, dans Explorer ou juste quand vous scrollez comme des gogolitos. Ça veut dire qu'il y a des gens qui sont tombés dessus, qui ne me connaissaient pas. Donc ça, c'est une excellente nouvelle. Je me remets à gagner des abonnés car mon objectif était d'atteindre les 100 000 d'ici cet été, quoi. Parce que voilà, j'en ai marre. Je suis à 97 000. 100 000, c'est bien, c'est beau, c'est rond, c'est voilà. Quoi d'autre? Alors, donc là on est lundi. Là, j'aide mon amie Elsa Barrère à finir son livre. En gros, je suis devenu la référence grâce à Tentation au supermarché en auto-édition sur Amazon. Voilà, donc je l'aide, j'aide Elsa et Alfred H, qui est son co-auteur sur ce livre, à finir et à mettre en ligne leur livre. Là, je leur ai fait toutes les images en IA avec Midjourney et c'est un peu comme Tentation au supermarché en fait. Et voilà, je les aide à la mise en ligne parce qu'ils sont un peu nuls en internet. Voilà, s'ils regardent ce vlog. Autre nouvelle infâme pour moi, mais c'est pas grave, j'ai le smile parce que c'est Instagram le plus important dans ma vie. J'ai cassé la poussette de Kinrain. Enfin, j'ai cassé. Genre, il y a une roue. La roue, elle est reliée à une tige en métal qui va vers le reste de la poussette. La tige en métal est cassée. Genre, vraiment, il reste qu'un petit fil comme si j'avais plus qu'un petit bout de peau qui tenait mon doigt, quoi. C'est trop bizarre. Et je m'en suis rendu compte, alors ça devait être usé avant, mais parce que j'ai pas fait de dinguerie, hein, je l'ai pas fracassé sur un trottoir récemment ou un truc comme ça. Et donc là, ce matin, j'ai emmené Kindred chez la nounou, et à un moment, je me suis retrouvé avec une poussette avec que trois roues, donc bah, trop chiant, quoi. Ça va, je suis assez musclé, donc je compensais, mais ça m'a bien cassé les couilles. Donc là, je suis sur le bon coin, en train de chercher des poussettes, pas trop chères, pas loin de chez moi, que je pourrais aller chercher aujourd'hui ou demain, quoi. Voilà. Et en attendant, heureusement, j'ai le sac à dos. Mais il commence à peser, le Kindred, hein. Il atteint bientôt les 9 kilos. Alors, c'est cool, hein, moi, j'adore le porter en sac à dos. Mais sur les longs trajets, ça fatigue, ça fatigue. Vous dites, c'est quoi ce t-shirt rouge? C'est juste mon t-shirt de sport parce que je suis allé au sport ce matin. Je suis un monstre. Je suis un monstre. Cette semaine commence trop bien. Et bah alors, qui c'est qui a sorti sa chemise d'été parce qu'il fait 30 degrés? La bonne réponse était Babor. Pour ceux qui n'avaient pas trouvé. Là, je vais à un déj, à Mairie de Montreuil. Voilà, si vous voulez tout savoir. Je me plaignais récemment que j'avais pas trop de travail. Et il se trouve que je vais peut-être avoir de nouveau du travail. Voilà, comme quoi il suffit de râler un bon coup et l'univers vous obéit comme une petite soumise. Et ça, c'est super. Alors, j'ai deux nouveaux trucs qui se profilent. Les deux sont pas sûrs encore à 100%. Le premier truc, c'est que je vais peut-être devoir écrire un truc pour quelqu'un de très très riche. Voilà, c'est très vague. Mais vu que c'est pas sûr, je peux pas vous en parler. En plus, c'est un truc qui sera vu par pas beaucoup de gens en one shot. Donc voilà, peut-être que je pourrais vous donner des détails plus tard. Mais pour l'instant, je garde ça dans mon petit jardin secret. Merci de respecter. Et l'autre truc qui est encore pas sûr du tout non plus, mais c'est pas grave, il y a des gens qui ont pensé à moi pour animer un petit truc, une petite émission. Pas télé, mais en rapport avec la télé. Là aussi, c'est hyper vague, mais ça, je pourrais vous en dire plus, je pense, plus rapidement. Voilà. Je viens de dire voilà, alors que je m'étais dit, et je me le dis depuis plusieurs blocs, qu'il faut que j'arrête de dire voilà. Parce que moi, au montage, je les vois, et c'est terrible, je dis énormément voilà. Et aussi, là, je vois ma gueule, là, vous voyez, je viens de replacer mes cheveux. Il faut que j'aille chez le coiffeur, mais je me suis dit que la prochaine fois que j'allais aller chez le coiffeur,
tant qu'à faire, j'allais en profiter pour faire une petite vidéo parce que j'ai vu qu'il existait, figurez-vous, des coiffeurs quantiques. Voilà, oui, ça existe vraiment. Il y a des coiffeurs quantiques qui vous proposent des coupes quantiques. Et là, du coup, alors, ça méritera peut-être pas une enquête de 40 minutes, c'est sûr que non. Mais il y a peut-être une petite vidéo détente de 15 minutes à faire de moi qui vais me faire coiffer chez un coiffeur quantique. En fait, là, j'aime bien ma coiffure quand ça, c'est comme ça, mais quand ça fait les petits pâtés que vous aviez juste avant, je trouve ça terrible. Hello, devinez qui a sorti sa chemise hawaïenne pour fêter l'arrivée de l'été. Mettez votre réponse en commentaire. 1, 2, 3, la bonne réponse c'était Babor, c'était moi, évidemment, c'est moi qui ai sorti ma chemise. Qu'est-ce que je fous là? Je suis dans le fin fond du bois de Boulogne pour me faire, non pas sucer, mais pour un petit tournage. Voilà, pour un petit tournage où je dois jouer un scientifique. Il y a des gens qui font des... Il y a des gens qui jouent avec des espèces d'avions télécommandés, ça a l'air assez stylé. Ça a l'air tout léger, c'est d'une grâce exceptionnelle, je vous remontre ça. J'arrive pas à savoir si on voit vraiment bien, parce que moi sur le petit écran je les vois pas, mais si ça se trouve, vu que vous regardez mes vlogs, j'imagine, sur une télé 4K, bah, si ça se trouve, vous voyez les avions. Donc là, j'attends les gens du tournage. J'espère ne pas m'être trompé parce qu'il n'y avait pas d'adresse exacte, c'était juste un point GPS. Donc normalement, on ne peut pas se tromper avec un point GPS. Mais voilà, on sait jamais, on sait jamais. Qu'est-ce que c'est que ces fleurs ? Le truc, c'est comme ça. Hop, genre, toi, t'es au goal, tu vois. Et toi, tu te jettes, enfin, comme tu peux, tu vois, tu te jettes de l'autre côté. Et nous, on met une. Qui ? Tu tires bien, toi ? Je peux aller, on va dire. Bon, bah après, le but, c'est. Voilà, on tire de l'autre côté où toi, tu te jettes, d'accord ? Ouais, parce... Et nous, on réagit. Waouh ! Waouh ! À mon tour. Là, je le prends. Bah, c'est bon, tu peux t'habiller, va voir. Je vais m'habiller. Je joue un scientifique en slip. Bon, moi, je vais me garder cette bouteille très, très sexy, ouais. Très sexy. Alors, toi, les amis, je suis trop triste. Je ne serai pas Julien Chauvet malgré le coaching de Ludo exceptionnel pour le casting. Non, mais attends, t'es pas pris ? Je viens de l'apprendre. Eh ben, écoutez-moi bien la production. On va pas les citer. C'est quoi ? C'est quelle prod ? Je sais même plus le nom. On va pas citer l'émission. C'était quelle émission ? Je vais faire la vanne. Demain nous appartient. Je ne vais pas citer Demain nous appartient, tu biperas. Mais sachez que vous perdez un grand comédien. Bah merci, merci. Et c'est un grand comédien qui le dit, donc... Un gros comédien, t'as dit ? Non. T'as dit quoi ? J'ai dit grand comédien. Un grand ? Grand. Ah oui, d'accord. Gros, je me permettrai jamais. Oups. Il est là. Ouais. Okay. Essaye, évite les couilles, ça oui, fait non, mal. Mais t'inquiète. Et quoi qu'il arrive, là où ça tire, on joue. Hein. Ça fait nous, pas, ça... pas trop fort. Moi, je fais quoi, moi ? Pas trop fort. Je reste stoïque, je suis en mode... Ah non, tu rigoles. On m'a prêté cet objet du diable. C'est pas des écouteurs, c'est un ventilateur. Là, ça me ventile la gueule, parce que là, il fait 35 degrés. Je suis hyper classe en Marcel Blanc. Je sais pas si vous entendez le bruit que ça fait. C'est pas désagréable. Je sais pas si j'investirais, mais c'est pas désagréable. C'est dimanche, je suis vers Beaubourg. Et vous rappelez les deux projets potentiels dont je vous ai parlé ? Et ben, y en a un des deux qui déjà est en péril, à mon avis. Mais c'est pas grave, ce sont les aléas du business. C'est pas encore mort-mort. Mais il y a des complications. Il y a des complications. Quoi d'autre ? Je suis allé voter ce matin comme un bon citoyen. Voilà, j'étais dans les premiers. J'ai emmené Kindred pour qu'il voit ce que c'est qu'être un bon citoyen. Là, je rejoins à Châtelet mon ami Jonathan qui, figurez-vous, est un fan du vlog. Archi fan. Et du coup, je vais le mettre dans le vlog et il va être trop trop content. J'en suis sûr. Je fais un plan de ouf pour ton arrivée dans le vlog. Colossal, t'as été colossal. Les amis, je sais qu'on a mis Jonathan qui aura le mot de la fin de ce vlog. Tu dis ce que tu veux. Juste, ça peut être Kikou. Je suis trop intimidé, du coup je peux pas parler, j'ai l'impression de tourner dans Avatar 3. Donc
je préfère pas c'était, aller plus loin. C'était son rêve, c'est voilà. Un ami de longue date, c'était son rêve d'être dans mon vlog, donc merci, voilà. Merci d'avoir joué le jeu. Tu as dit que tu parlais pas, t'as parlé. Je suis honoré de ouf, merci. Mais les abonnés te le rendront. Merci Jonathan.